Europe 1, il est 8h15. Dans un instant, double interview politique pour Fabien Amias qui reçoit Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, conseillère économique de Benoît Hamon, et Jacques Généreux, coordinateur du programme de Jean-Luc Mélenchon. Du coup, Nicolas Barré a interrompu ses vacances pour vous dire un petit mot, messieurs, dames. Ah oui, Thomas, Fabien, vous bonjour, imaginez Nicolas. Vous imaginez pas dans quel état je suis ? Jacques Généreux et Julien Cagé ! Europe 1, c'est mes idoles, Thomas. J'ai leur poster au-dessus de mon lit. Oh, j'aimerais trop être trans-tunion avec vous. Mais pour moi, me retrouver dans la même pièce que deux économistes de ce niveau, c'est encore mieux que de me retrouver dans un jacuzzi avec deux filles de Playboy. Je suppose, parce que ça, j'ai jamais fait. J'ai juste fait un cours d'aquagym avec des retraités dans une piscine d'eau de mer à la Bourboule. Oh, Julien Cagé arrive. Je suis comme une gamine de 12 ans de Bat Pokora. Bon, eh ben, trop de la chance, Fabien Amias. On va lui demander un autographe pour vous, si vous voulez, Nicolas Barré. Vous pouvez l'écouter, cette interview, même en vacances. L'interview politique, donc avec Julia Cagé et Jacques Généreux, c'est tout de suite sur Europe 1. Nicolas Cantelou, on le retrouve en direct à 8h40.